suis full inventaire, donc tu peux prendre tout ce que tu veux. Rends-moi mon salpanax. Excellent. Ah non. Tu vas mourir. Non, je ne vais pas mourir. Si, tu vas mourir. Non, parce que voilà. Les bottes ont claqué en plus. Mais si, tu vas mourir. Mais non, je en fait, ça tourne là. Je suis immortel. Ça tourne bonus, oui, petite scène. Non, ça ne tourne pas. Personne ne doit voir ça. Bon. Allez, ramasse. J'ai rien. Bonjour les Minecraftiens, ici c'est LB35. Nouvel épisode de Minecraft vous est offert aujourd'hui. Est-ce que... Minecraft, c'est bon pour ma ligne. Dernier épisode qui a commencé comme ça avec moi, ça a terminé en bonus, vous vous rappelez? Oui, ça a terminé en bonus. D'ailleurs, tous ceux qui ont vu l'épisode avec la plaque de pression et Tangax, savent très bien de quoi on parle. Donc, slash game rule, do daylight cycle, true. Donc, on pourrait aussi désactiver la TNT. Oui, sauf que non, je crois pas que ce soit possible. Il faudrait. Donc, on se retrouvait dans notre très fidèle salle d'enchaînement. Au fait, 50 abonnés, merci. Oui, bah moi, je dis pas, ça se fait pas, mais... non, je déconne, bravo. GG, les mecs. On aura 49, mais bon, ça, bah, j'étais impatient de poster la vidéo annonce. Une pomme. Je vais pas bouffer de pomme, là. Alors, voyons voir, comment pourrais-je faire chier les gens aujourd'hui? Bonjour jeunes amis, allez, allons partir à la découverte de Dora l'exploratrice et les fleurs de merde. C'est parti. Eh, ça a avancé, bande d'enfoirés. Ok. Ah oui, c'est vrai, ça donne pas du tout. Ah, ça fait... En plus, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Minecraft classique. Parce que en ce moment, je joue sur le truc de... Merde. De Fanta et Bob. Oui, le mode pack Attack of the B-Team. Voilà. Je vous ai baissé parce que je crois que vous étiez en train de steak. Enfin, c'est... Ah, un Kevin. Où ça? Jump. Eldemon est un Kevin, d'accord. Et comment t'as du chain mail, toi? Non, moi je vois. Quelqu'un pourrait me filer de la bouffe, s'il vous plaît? Comment t'as du chain mail, je te demande? Ah ouais, j'ai des chain mail. Je sais pas. Je sais pas. Bah, tu vas virer ça parce que c'est sans aucun doute cheaté. Ah, une armure. Ou bien alors, ce que je fais, c'est que je te tue et... Non, attends. File-moi de la lave et ce sera bon. attends, je vais... Tu veux mourir? Non, je vais acheter ça. Wow, tu te cannes. Tu me dis quand tu peux mourir. Eh, mais c'est la map explosée. T'es sérieux? Ah bah non, ça, c'était à cause des creepers. On avait fait plus d'explosions que ça. Notre ami Mr. Fanax est de retour. Comment ça se fait que tu n'avais pas en diams, toi? Parce que j'ai pris dans le coffre. Ok, mais un traitement de faveur, hein. C'est parce qu'on doit c'est pas ce qu'on souvent. Appelle du pillage. Non, mais c'est tout ce que j'ai pris. Toi, tu t'es fait un plastron. Oui, enfin, c'est Démon 3X qui a fait le plastron. D'ailleurs, ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu Démon 3X. Celui qui pend des heures et des heures à tuer des vaches en caméra. Mon dieu. Y a vraiment plus de fer ici, par contre. Ouais, on va miner, mais moi, ce que je vais faire surtout, c'est les champs, les cultures, les machins, parce qu'on manque considérablement de bouffe et que ça, c'est très dommage. Et puis après, on colonisera le Nether, on fera des potions et tous les trucs agréables. Je meurs de faim et comme d'habitude, je n'ai pas de bouffe. J'avais des petits poulets là-dedans. Peanut butter jelly time. Avec l'anglais, espèce d'inculte. Mais tu vas manger, toi? Ah bah non, c'est parce qu'il y a encore le bébé. Ok, merci pour l'œuf. Espoir. Non. Bon, bah moi je donne des graines à ce poulet. Bon, bah tu vas grandir, toi, poulet. Bon, bah faut attendre que ça pousse. Quelqu'un a de la bouffe quelque part? Non. De la bouffe. Je suis en train de crever de faim, moi. Oui, moi aussi. C'est la vie. On a trouvé un moyen de se faire un truc de bouffe concret, quoi. Bah justement, c'est ce que j'essaye de faire. Je vais aussi agrandir le champ, les cultures. Parce que ça peut éventuellement ne pas servir. Eh, j'ai 10 lingots de fer sur moi, tiens. J'aimerais faire des boîtes.
Les miennes ont claqué. Yolo Boots. It's been a bad... Trop tard. Ah, saloperie, je voulais te piquer tes lingots. Bah d'ailleurs, ils sont où mes lingots? Ah, ils sont pas utilisés. Ils sont là. Tu les as ratés. Bon, bref, nouvel épisode de Minecraft vous est offert aujourd'hui. Parce que j'adore dire Minecraft à la place de Minecraft. Donc notre esprit survie, machin bidule. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu d'épisode, donc je suppose que vous êtes très content de retrouver MBO. Ouais. Donc désolé de l'absence, c'est que inexplicablement, il y a personne. Et quand je dis il y a personne, c'est qu'il y a personne, quoi. Bonjour les Minecraftiens, c'est Salbé, vous m'excuserez, j'ai un petit rhume. Ouais. Bon, par contre, j'espère que vous êtes contents, la série reprend. Ouais. En même temps, si tu nous payais, ce serait plus facile. Ok, slash paye Mr. Fanax. Mr. Fanax. Alléluia. Je me dis merde, je suis en train de me faire attaquer par quelque chose. Ah non, je suis juste en train de crever de faim. Ah mince, ça n'existe pas cette commande-là, on n'est pas sous Bucket. J'aurais pu payer sinon. Eh, bon, tu sais que je peux créer un système d'argent pour Minecraft Vanilla. C'est qui tous ces gens? Bah oui, moi aussi, c'est simple. Bah ouais, mais c'est trop cool. C'est charmant chez vous, il y a des zombies dans la mine. Eh bah, allons-y alors. Allons-y. Ouais, c'est mes petits copains. Tous les soirs, je dors avec eux. Les problèmes de sécurité à Mbalieu sont toujours aussi forts. Hein. Alors ici, c'est l'endroit où je suis mort à l'épisode 4, je crois. Où j'ai beaucoup rageé, d'ailleurs, cet épisode où ça minait 2 minutes et que ça trouvait plein de diams. Démontre-moi que ça en a fait des plastrons, cet imbécile. Non. Surtout, vous lui répétez pas que je l'ai dit ça. Là, il y avait un... Oh, mais il a qu'à voir la vidéo. Démontre-moi X, je crois qu'il est en ligne. On lui répète ça. Démontre-moi X, il est où alors... Démontre-moi X, bah non, il est pas là. Bien est-ce qu'il faut comprendre que tu vas couper ça au montage? Non mais je crois que t'as pas compris, on appelle ça une blague. Non, bon, ceci d'accord. Est une blague, après si vous voulez la censurer au montage, faites comme vous voulez. Donc je meurs de faim, je suis dans la mine, je vais retourner à la couche 11. Parce que la couche 11 elle est fun. Elle est funny-land. Ah c'est chiant de pas pouvoir courir. Tu m'étonnes, moi c'est chiant d'avoir qu'un demi-gigot. Enfin un gigot et demi plutôt. J'ai une torche et j'ai un stuff. C'est chiant, eh hey, attends, moi c'est chiant d'avoir qu'un demi-cœur. Ok, je peux encore donner 7 coups avec cette pioche. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Bon bah je vais me recrafter. Campagne. Hop, j'ai déjà une table de craft. Vous avez du blé? Un petit peu, mais... J'ai de quoi faire un morceau de pain. Non, il me faudrait deux blés, juste deux. Bah moi j'en ai deux, pile poil. Bah je veux bien, ouais. T'es où? Je suis dans la mine, en 56, 1269. Ah ouais, pile juste deux blés, voilà. Merci. Deux blés, pas plus, les dents sont dures. Mr. Fanax est le designer de la nouvelle bannière de la chaîne qui devrait arriver très vite si elle n'est pas déjà arrivée. Non, pas encore, faut pas rêver non plus. Avec Cinema 4D, magnifique. Magnifique. Ah, génial. C'est moi, j'apprends à me servir d'After Effects en ce moment. Parce que je vais faire un court-métrage avec des potes. Ah ouais, bah c'est cool, moi je suis nul en VFX. Ah, par contre, de préférence, est-ce que tu pourrais éviter d'ébruiter un petit peu trop l'affaire parce que c'est censé être quasiment secret. Mais bon, comme trop tu tard. Fais, comme tu participes pas du tout au projet, bah c'est bon. oui, je sais pas, je vais pas le censurer au montage parce que je suis sadique. Mais bon, sinon retenez bien l'info et Diamond. Les potes qui sont censés ne pas le savoir ne regardent pas tes vidéos, donc c'est pas grave. Bon, bah alors, Greg, ça me pose aucun problème, mais tu m'as pas fait de la pub dans un rapport insensé par le plus grand des hasards? Si, pourquoi? parce que peut-être qu'ils regardent tes vidéos à toi. Possible, mais non, je pense pas qu'ils regarderont. Bon, on s'en bat les couilles en fait. Personne. Mais où est-ce qu'elle est ma baraque? J'ai encore oublié. Joyeux non. Minage avec Eldaimon et Mr. Fanax. On a absolument rien de prévu aujourd'hui, mais en gros ce qu'on va faire c'est qu'on va beaucoup explorer le Nether.
Bah moi en fait je... Oh! Un attroupement de vaches. Non, 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 n'en bute pas s'il te plaît. Attends, il me les faut. Mais où est-ce qu'elle est ma maison? J'ai encore oublié. Bon. Tout ce qui peut se manger se mange. Spider-Rye! Non, quand même. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Non, c'est pas ça. Non. Ah, salope! Je hais les vaches qui ne me suivent pas. Elles me suivent, c'est bon, je les adore. Elles sont mignonnes. Oh. Allez, on va... Okay, je... No! Why did you left the game? Ah, bon, c'est bon. Ah non, j'ai rien dit en fait. En fait, on n'a pas de seau ici, on a rien. Si tu veux, j'ai un seau. Le problème, c'est que partager ça le seau... Ça t'intéresse un seau d'eau? Un seau! Laisse-moi parler, je pense que c'est une, oui. Le problème dans cette série, c'est que on doit partager le stuff entre 10 joueurs qui varient de temps à autre. Donc du coup, forcément, ça met 10 fois plus de temps et on prend 10 fois plus de ressources. Il y a une vache qui ne veut pas te suivre. Tu peux la buter si tu veux, il m'en faut que 2. Ah, ça fait plaisir. Bon, bah moi je vais dans le nether. Oh non, il fait nuit! Il fait nuit, non! T'aurais dû regarder une autre, en fait. I don't want to die. Bon, moi, je me suicide. Et si vous voulez bien ne pas récupérer mon stuff, ça ferait plaisir. I wanna be the guy. Ah, non. I'm a farmer. I am a farmer. YOLO. Ok. J'ai quelques pas... J'ai pas mal de bugs de connect. Sans plus. It's peanut butter jelly time, peanut butter jelly time. Où sont mes bottines? Elles sont où mes bottines? Je veux mes bottines. Pourquoi mes bottines elles sont jamais là? Le farming en pleine nuit. Eh, elles sont là mes bottines, mais... Ah, elles remontent! C'est quoi ça? C'est quoi ce bug graphique? De mort qui tue. Peanut butter jelly time, peanut butter jelly time. Désolé pour ce même qui m'est resté dans la tête. Ouais, oh, t'inquiète pas, oh, c'est mais... pas... Oh, mais... Mes bottes en fer ont glitché. On est pas... Alors, attention, le combat contre l'araignée. Je me prends un coup, je crève. Bon, bah, je crève, alors. Non, les zombies prennent les graines, maintenant. Bande de terroristes. Ok, moi... Here we go in the nether. Yo, c'est la fin de Mario. Ah, putain, squelette. Ah, on a jamais généré de nether dans MBO? Oula! Bah si, j'y étais déjà allé. Même que je m'étais fait défoncer par je ne sais combien de squelettes. Même que j'ai dû accidentellement supprimer le nether, on y était déjà allé. Supprimer le nether? Eh ben. Et bah parce qu'avec Bucket, en gros, j'ai dû lancer une fois la map avec Bucket. Et avec Bucket, ça dissocie le monde normal du nether de l'end. En gros. Pour faire simple. Quel bordel! Et donc j'ai dû garder que l'overworld. Mais mince, mais où est-ce que je suis mort déjà? Il y a des squelettes de partout, au revoir. Le GG d'Alable, présenté par la Minecraft Cat Team. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de porte à l'arrière? Ah bah parce que c'est pas tout à fait fini, on peut encore faire des modifs. Oui, mais on peut... En fait, le problème c'est que quand on n'a plus trop de vie, ça devient un peu... Salope! C'est un creeper que je parlais. Et oui, parce que c'est la double insulte, quelle que soit la personne à qui tu t'adresses. À la suite, ça te gêne? D'ailleurs, Mr. Fanax a inventé la magnifique insulte de fils de creeper. Magnifique. Ah, c'est nul. Oh ah, c'est un squelette. Oh ah. En tout cas, les gens ont l'air de bien s'amuser dehors. Ah je me comme un... Non, je peux pas courir. Lolly lol. Et sinon, je peux savoir où est mon quartz? Ah, il est là. Ok. Lac des crafts. Alors, c'est pas mal ici. C'est le premier prix chez FCM, donc ça peut se comprendre. Donc, j'ai 3 blocs de quartz. On va explorer un peu plus, dans l'espoir aussi de trouver une forteresse du Nether. Par contre, là, vous m'excuserez, mais on avait bien dit qu'on le citerait un tout petit peu dans cette... Je peux... Je suis désolé, mais là je mets en peaceful parce que ça devient ingérable. Ah voilà, ça y est, j'ai retrouvé ma base. Ça devient juste ingérable. Et je sens qu'on pourra aménager des choses très drôles dans ce nether là. Il est très beau, je trouve. Pourquoi il n'y a pas de quartz? Pourquoi le quartz n'existe pas dans ce monde? À part le fait qu'il y en ait partout, mais bon.
Au final, c'est rare comme du fer, le quartz, faut pas croire. Hein. Over the rainbow, I'll be fine. Somewhere over the rainbow, it's fine. Somewhere over the... Ouais. Bon, tout le monde il va pleuvoir dans le nether, c'est pas possible. C'est de Ease. Pour ceux qui ne connaissent pas. C'est parce que je me mets au ukulélé, en fait. Il se met au ukulélé. Ah, Damon est capable de tout. Je vous avais prévenu, hein. Enfin, je crois. Attendez. Juste deux secondes. Je ramène les vaches à ma caverne et je vous joue un morceau. On parie? Et je vous joue un morceau dans Minecraft, ok? Non, je déconne. Bon, là, j'ai l'inventaire tellement mal rangé que je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je laisse. J'ai des éléments de déco, j'ai des tas de trucs, what the fuck. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aménager une belle salle des coffres. On va aménager le nether, on va faire des popos. Et on va trouver une forteresse. Oui. Pour que... Avant les popos, de préférence. Ouais, effectivement. Ce serait déjà mieux. J'ai 47 glowstone avec un seul filon. Et encore, c'est pas fini. 56, alors 7, je sais pas combien. En général, la glowstone, ouais, ça va assez vite, hein, donc moi ça m'étonne pas, perso. Hop, j'ai une petite fleur qui traîne, je m'en fiche. Donc pour en prendre 4 fois plus, je vais les stacker. Et voilà, il y a plus de lumière, c'est magnifique. J'ai les vaches. C'est la vache. Hein? C'était quoi cette blague de merde? C'est un subtil placement de produit. Traître! Tuez le traître! Vous ne m'assurez jamais, bande de bachibouzou, bande de fils de creeper, voilà. Qu'est-ce que tu viens chercher la merde, toi? Alors, donc, comme promis, le petit morceau, hein. je jouerai un morceau. Je monte sur ma petite tour de dirt et je vais chercher mon ukulélé. Il va vraiment le faire. Donc, quand même assez incroyable. Hein. Le diamond est capable de tout. Et au final, j'ai vu, le nether, c'est la même scene. C'est là qu'on a le même. La Nether Wart. Et le portail est pas tout à fait au même endroit par contre. Je me souviens, on s'était fait agresser par un gars, c'est exactement ici. Il l'a fait. Sous l'océan. Sous l'océan. Les requins te bouffent, les coquillages te coupent sous l'océan. Et sous l'eau tu survis à peine. Sous l'eau tu survis à peine. Quelques secondes sans oxygène. Tu vas crever si tu restes trop longtemps sous l'océan. Je te vois, Fanax. Ouais. Alors là, ça mérite un GG. C'était la minute, on s'en fout. C'était la minute, ceci fera le titre de la vidéo. Ouais. Sous l'océan. Sous l'océan. Petite parodie. Oh, merci de la redstone, je t'adore. M'en fous de la redstone. Non mais c'est Fanax qui m'a filé de la redstone en fait. Fou l'océan. Et ce qui est énervant dans Minecraft, c'est la durabilité des outils. Sous l'océan. Bref. Et j'ai jeté mon bois. Je suis foutu dans la tête de tout le monde, c'est bon, c'est gagné. Sous l'océan. Le jeu. C'est quoi ce balcon? Aquaman fait sous l'océan. Là-haut, il se cogne dans les murs. Ici, le gameplay c'est moins dur. Oui, ça c'est le joueur du grenier, je sais. Ouais. Moi, je joue... en fait, c'est un petit mix entre moi et Link the Sun. Ah, Link the Sun, je connais. Ouais. Oh, j'adore ce mec. Ces blagues sont pas toujours très fines dans ce... Ouais, mais c'est du pur délire quand tu prends ça au 36e degré. Ah, justement, il en a parlé du 36e degré. Ouais, et que t'es bien bourré, ça marche bien. Non, je déconne, j'ai jamais été bourré en fait. Encore heureux à ton âge? Ouais, c'est clair. Ah, ça peut être drôle, hein.
Il y a un de mes potes qui l'a déjà été PS, en plus. PS, les deux interlocuteurs... Comme c'est selon lui, je le crois je pas peux trop. En placer une, oui. PS, les deux interlocuteurs à qui je parle ont 3 ans de plus que moi. Même si c'est pas visible. Qu'est-ce que tu viens de dire? je vais te buter, toi, je suis ce creeper. Bien, je m'attendais à cette réaction. Espèce de méchant monsieur. Je suis derrière toi. I'm behind you. Ah bah justement, je voulais... Enfin quelqu'un qui speak good English. Hein. Ah non mais sérieux, y a plein de mes potes. Si je te tuais. Non. Quoi? Et si je te tuais, je dis, c'est... t'as bien compris. Oula. Non. Non. Flippant. Et si tu ne me tuais pas? Hein? Sous l'océan. Là où il se cogne dans les murs, ici le gameplay c'est moins dur. Prends une manette. On fait la fête sous l'océan. On peut enlever ça s'il te plaît. Merci. On a plus du tout de bois. C'est flippant le nombre de trucs. Moi j'ai plein de bois. Au fait, l'épisode n'est pas censé être fini déjà. Je sais pas. Si, l'épisode est censé être fini. Bon bah, c'était l'épisode sous l'océan aujourd'hui. On avance lentement, mais on avance. Et donc, sûrement. On fera sans doute des choses plus intéressantes au prochain épisode. Donc sur ce, je vais vous dire au revoir. Et c'était ça. Mon Dieu. À la prochaine. Donc sur ce, au revoir. C'était CLB. On s'arrête sur un magnifique morceau d'El Daimon et des paroles de Mr. Fanax. Allez, improvisez-moi un truc. A plus. Lol. Je tape à la hache, ce mec. Voilà.